Jérémy Roux, vous allez présenter Flamenco dans le Quintet samedi à Vincennes. On peut dire que c'est un cheval régulier ces derniers temps. Hein. Oui, très, très régulier. Mmh. Hein. Parfois un petit peu de problème dans sa locomotion, mais là il est de mieux en mieux, donc c'est très joli. D'accord. Ah oui, c'est ce qui lui était un petit peu arrivé à Enghien, quoi, quand voilà, il avait été. C'est ça. Mmh. Et depuis la dernière course de la Capelle, il est à la plage, là, il est super. Donc, d'accord. Il ne devait pas courir, mais vu qu'il est bien, quoi. Voilà, puis la piste de Vincennes est quand même plus souple que celle d'Enghien. Voilà, c'est ça. Mmh. Il devrait être plaqué des quatre. Ça devrait l'aider aussi. D'accord. Mmh. Donc voilà. Non, avec, sans faute, avec une bonne course, il peut accrocher une place. Parce que c'est un cheval qui n'est pas à l'abri d'une faute, alors, autrement aussi. Non, mais dans ça, oui, il peut faire une faute en partant. Mmh, d'accord. Mais après, normalement, s'il est bien, il est dur, hein, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Okay. Il est capable d'aller avec cela. Et le déroulement de course, vous le souhaitez comment? Caché, d'accord. Caché. Et vu que c'est Benjamin Rochard qui va le redriver, il l'avait déjà drivé au Sable d'Olonne, donc c'est un atout. D'accord. Et le fait que vous n'avez pas couru grande piste, pour vous, ça ne devrait pas poser de problème, autrement? Je pense pas, parce que c'est un cheval qui va, par rapport à ses allures, il va être même mieux en montant. D'accord. Okay. À la rigueur. Et il est dur, hein, c'est un cheval ultra dur. D'accord. Donc voilà, c'est jouable pour une place, quoi. Voilà, vraiment pour une place, hein, pas mieux.